Chères Senonaises, chers Senonais, cette année 2021 s'achève et je veux vous adresser ces mots à l'approche des fêtes. Grâce à la vaccination, la situation se stabilise en complément des mesures sanitaires renforcées. Aussi, je vous invite à prendre rendez-vous pour votre rappel vaccinal et continuer à pratiquer les gestes barrières. Sachez que j'ai pris la décision de maintenir le centre de vaccination ouvert jusqu'à la fin mars. L'objectif étant que chacune et chacun puisse trouver un créneau dans le délai imparti. Pour nos associations, je veux les rassurer. Pour les événements que vous avez organisés, dans la possibilité des mesures sanitaires, nous vous proposerons des salles dans lesquelles vous pourrez vous réunir. Les repas et buvettes ne pourront pas être organisés durant cette période. J'en profite pour renouveler mes remerciements au service de la ville et à l'équipe soignante du Château du Diable qui, depuis le mois de juillet, sont mobilisés pour la vaccination et donc pour la protection de tous face au virus. Par cette vidéo, pour laquelle je remercie le service communication qui vous informe au quotidien via le magazine Tempo, les réseaux sociaux et le site internet. Je tenais à vous présenter ce clip qui vient nous rappeler l'engagement et la mobilisation collective dont nous avons fait preuve pour retrouver le plaisir de nous voir. Par prudence, nous ne nous retrouverons pas au Rocher de Palmer pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Mais sachez d'ores et déjà que je vous donne rendez-vous le 20 janvier sur la page Facebook et YouTube de la ville pour retrouver mon intervention en vidéo. Avant de conclure avec cette prise d'image, je vous adresse mes plus sincères remerciements. Habitants, bénévoles, acteurs associatifs et culturels, commerçants et restaurateurs, pour avoir redonné vie à notre quotidien ce nom, malgré les incertitudes liées au virus. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, de belles vacances pour vous et vos enfants. Et surtout, prenez soin de vous et restez prudents.